Finaliste malheureuse de la 10e édition de la Star Academy, Léa s'est livrée sur cette aventure inédite auprès de nos confrères de Pure Charts. Si elle est restée amie avec quelques-uns de ses ex-camarades du château de Dame Marie en lice, la principale intéressée ne semble plus vraiment l'être avec Chris en raison d'un différend. Le 4 novembre dernier, TF1 a lancé la 11e édition de la Star Academy pour le plus grand bonheur des aficionados. Pour frapper fort, la production a naturellement convié Louis Albi, Anisha, Léa et Enola, les quatre finalistes de la précédente saison pour qu'ils puissent s'illustrer ensemble sur scène. Après son passage dans l'emblématique Télécrochet, l'interprète de Plus Fort a eu la chance de pouvoir signer un contrat avec le label Indifférence Prod qui travaille à ce jour avec Gims, Slimane ou encore Vita. Malheureusement, cette belle collaboration a vite tourné court. Celle qui a crevé l'écran avec ses qualités vocales et sa personnalité solaire a accepté d'évoquer en toute transparence son actualité avec nos confrères de Pure Charts ce samedi 18 novembre 2023. Difficile pour elle de ne pas aborder sa brouille avec Chris qu'elle ne quittait pourtant jamais au château de Dame Marie en lice. Pour rappel, le jeune homme éliminé en demi-finale l'année passée, ne s'était pas montré tendre à son égard après qu'elle a taclé la nomination de James Blunt et Vita, en tant que parrain et marraine de cette nouvelle salve de la Star Academy. Je n'ai pas compris. Je l'ai très mal vécu, a avoué Léa, amère. D'autant plus que celle qui vient de sortir son nouveau single « Qui je suis ?» estimait énormément Chris comme elle le raconte à Pure Charts, « Je me suis sentie trahie parce que pour moi c'était comme un frère. » Dire ça en public, je n'ai pas compris. Quand j'ai entendu les messages, ça m'a fait mal, je n'étais pas bien. Blessée, Léa a alors accusé le coup, « Je me suis dit, peut-être que tout le monde est comme ça dans ce milieu, peut-être que s'y est-il de la jalousie, peut-être qu'il cherche le buzz, peut-être qu'il n'était pas bien. » Avec philosophie, la jeune femme a aussi complété, « Je ne sais pas ce que s'y estime et ça n'excuse rien, il a dit ce qu'il pensait. » Point. Moi je n'aurais pas fait ça. Donc je suis un peu perdue, car j'aimerais revenir vers lui mais je me dis qu'il ne le mérite peut-être pas. Voulant calmer les rumeurs à leur sujet, Chris s'était pourtant voulu très clair sur X, anciennement Twitter. Ce n'est pas que je ne peux plus la supporter. Si est-il juste qu'il y a des différends et puis il y a une attitude que je n'accepte pas du tout. Avait affirmé le beau brun. Je ne suis pas en embrouille avec elle. Demain, elle m'appelle, je lui réponds, mais je ne vais pas faire copain-copain avec elle à la longue. Je ne suis pas hypocrite. Ambiance. I just need